Bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour cet épisode 4 de Convoy avec Narfang. Alors, on va continuer tout de suite la partie, hein. Mais ils sont bien rangés comme ça. J'avais hésité à remettre du coup le dragon devant vu qu'il a très peu de portée. Mais la majorité des véhicules arrivent par l'arrière. Alors on va garder ça comme ça en formation. Non, on va garder ça comme ça d'ailleurs. Ouais, si, on va garder pour l'instant. Il nous reste plus beaucoup d'objectifs à faire. Il y a l'hyperdrive stabiliseur à trouver. Un raid de rampage à faire. Et ça, 154 km. Bon, on va se faire ça déjà. Ah oui, j'ai déjà plus de thunes pour de l'essence. Donc. Un peu raide, hein. Bon, de toute façon, on va bien trouver un couillon ou deux pour nous. Pour nous remettre un petit plein. Et ben voilà! Et ben voilà, prépare tout fight! C'est ça qu'on veut! Alors. Débarrasse-moi de ça, porteur de mine. D'abord que je te. Voilà. On concentre tous les tirs sur celui qui a plus de bouclier. On va tirer sur lui maintenant. Lui il est fait. Il mange la carcasse, c'est magnifique. C'est ultra combo d'ailleurs. Ah bah non, en fait il y a déjà le dragon qui tire dessus, tirez sur l'autre si vous pouvez. Oh, tu veux pas, donc voilà, comme ça c'est très bien. Toi tu tires là. Ouais non, tu continues à tirer là, toi ici. Ah mais soit merci. Vous tirez sur lui. Voilà, ça c'est fait. Bah, ils sont tous les deux finis. Eh ben je prends le loot. Il y avait 10 de gasoil dedans. Ok. On va d'ailleurs rouler avoiné jusqu'au camp pour réparer le convoi principal. Ok. Chop. Ouais, tu prends un véhicule à 2,40 là. Hein. Un MK3. Dis donc, c'est encore mieux ça. Je m'en suis là, je te prends le MK3. Je peux pas prendre le MK3. Retour. Ah putain, t'avais qu'un MK1, j'avais même pas fait gaffe. Donc. Pour 22 scrap. Wow. Ouais, c'est quoi, répare ça. J'aurais pas dû le vendre tout de suite. J'aurais dû d'abord aller me friter le camp qui est à côté. Avant de lui enlever. J'arrive près d'un cure courrier là. À mon avis, ça va être une plateforme de courrier. Je regarde si c'est une embûche, une embuscade. Je sécure les lieux. Quickly load the cargo and outrun the warrior. Ok. Ready weapons, c'est parti. On a essayé de charger l'objectif discrètement, mais sûrement, ça a pas marché. Alors, dans les trucs dangereux. Dans les trucs dangereux. Il y a lui. Il y a lui. Ensuite, tu avoines lui. Et vous m'avoinez lui. Oh non, attendez, vous avez m'avoiné lui. Ouais, bien sûr. Balance là, là, il y a bien un cul qui va se la prendre. Ah,
Bah ça me paraît bien comme ça. Hein. Non mais c'est bon, il est grillé. Tu vas tirer là-dessus. Je vais te remettre à l'arrière, tu vas tirer là-dessus. Et on va justement stun celui-là parce que je n'ai plus de bouclier sur lui. Ah non, le véhicule de tête, parce qu'il n'a pas de bouclier. Bon, c'était dommage, hein. C'était perdu, mais bon. Pas tout à fait perdu non plus. Ça va passer tout seul. Ça passe tout seul. Réussi à l'esquiver avec le dragon, mais tant pis. Bon, il est tombé. Ça en fait un de moins. Retour au camp. J'ai toujours pas ce qu'il faut. Attends. Ça veut dire quoi, ça? Faut que je refasse 290 km dans l'autre sens. 218 par là. Ouais. Embête, faut que je tourne dans la région là. J'essaie de trouver, voilà, un petit camp là-bas. C'est de récupérer déjà un peu de carburant. Et des parts. Des riders par radio. Ok. J'investis le cargo. J'espère le désarmer, tac. En fait, je viens de zapper tout ça super vite, mais j'ai l'impression que c'est une quête encore que je vais me ramasser. Non ? Bon, c'est juste une grosse baston. Alors, est-ce qu'il y en a un qui porte un missile ? Non, mais toi là, avec ton petit machin hélicoptère, c'est super désagréable comme, comme bestiole. Alors, on va t'allumer toi déjà. On va s'occuper du reste après. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qui se passe, toi? T'es porteur de mine ou quoi? Porteur de mine, le type. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il y a de portée pour qui? Non, t'es à portée, t'es à portée. Ah, t'es plus à portée, ouais, je tire là-dessus aussi, hein, ça marche, hein. Je te rassure. Ah, il y a un poseur de mine qui s'est mis devant, là. Là, c'était mine stun. Ouais, oh, c'est pas méchant. T'as plus de cible. Ok. Juste toi qui as conservé ça en cible et toi tu tireras déjà sur le truc devant. Je sais que vous avez plus de cible de votre côté. De toute façon, il reste plus que ça à faire. Hein. Ah, ça, c'est fait. Ah, on prend le matos, on ouvre la carte. C'est Youpi, c'est Yata, c'est fait. Il n'y a plus qu'à aller vers le camp le plus proche. Tac, tac, tac. Quand. Donc, je voulais impérativement ce bouclier. Voilà. Voilà.
Ça, c'était pour toi, mon ami. Voilà. Retour. Maintenant, faut réparer. Toi, c'est vital. J'aurais peut-être assez. Non, je vais pas avoir assez pour réparer tout le monde. Gasoil, on est super écrac en plus. Ouais, le dragon est entièrement réparé. Allez, et voilà pour le véhicule principal. Bon bah ça, au moins j'obtiens cet objectif là. Donc les riders rampage, il fallait que je ramène quelque chose à 200 et quelques kilomètres. On va les ramener hein. Oh, frère. Ouais, ready weapons tout de suite. Et il me faut des parts, il me faut du gasoil. On est tout neuf, il me faut ça. Alors ouais déjà première chose c'est qu'on va échanger vos places les gars. Ouais ouais bah je vais appeler, on va pas les regarder dans le blanc des yeux hein. Y'a pas de raison après tout. Non, on peut utiliser le gun là-dessus. C'est lui qui porte l'arme. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Un gars déjà à moitié mort, il nous reste. Bon, le quand même. Hein. S'il peut mourir maintenant, c'est parfait. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et ils ont quand même bien bourré mon convoi. Hein. Ah, ça le méga lance-missile, il est méchant. Hein. Ok. Bon, on va avec cette route. Hein. On fait un grand tour par le bas, visiblement. Toc, toc, toc. Voilà, merci. Quoi que ça va faire. Gasoil, non mais t'es fou quoi. C'est pas moi. Ouais, j'ai vraiment plus rien. Hein. J'investis la tour. Je regarde pour ramasser du loot. Je prends son part. 110. Et bon. Enfin, déjà, ça fait plaisir. Prochain camp, on va pouvoir ramasser des sous-sous. Je regrette le fait qu'on n'ait pas une grosse map, dézoomée. Au moins des zones qu'on a commencé à visiter pour voir les camps ou les camps qui restent à voir. Ok, j'ouvre la radio comme d'habitude. On me donne 15 gasoil. Ah, je peux les fumer maintenant. Non, allez, merci. C'est trop sympa de m'avoir donné. Hein, ok. Bonne idée. 46. Ok. Bon, on m'a donné plein de choses. C'était cool. C'était cool. C'était vraiment très cool. Tac tac. On va sur des coins où je suis vraiment pas allé en plus là donc. On va regarder ce mystérieux objet. On s'en va. Oh, ok, ça a explosé, c'était une bombe. On peut les exploser tout de suite ou les contacter par radio. Ok, si je les laisse me donner leur matos, je leur donnais une chance de vie, mais ils ont refusé. Ok. C'est leur problème. C'est pour moi qui vais mourir, c'est donc leur problème.
problème. Alors, on a un porteur de mine à l'avant. C'est pas trop, trop grave. Qui veulent détruire ce machin ou quoi là? Alors non, toi tu vas tirer là-dessus et toi tu vas tirer là. Personne veut détruire le véhicule qui est devant? Non, vous l'aimez trop? Je sais pas, il a un petit style qui vous plaît. Bonus là. Et c'est fait. Un mid layer. Ah, on voit, je crois qu'il est pas entièrement armé mon convoi d'ailleurs. Tac. Des Torvac. On les destroy, hein. Faut pas poser de questions. Hein. Décidément, elle fait un dégât cette arme, c'est hallucinant. Ok, celui-là aussi il est réglé. Non. Pas sur celui-là. Je vais tirer sur celui-là. Là, tu vas pas bouger. Tu vas rester gentiment. Tranquillement dans ton coin. Voilà, comme ça tu me balances pas de mine. Tu veux pas l'annuler là? Non, je sais pas. Bah, ok. Vous avez décidé de tous mourir. Il y en a un qui était carrément parti sur le côté. Non, non, je préfère mourir en fait. Ok. Donc, purger le plague à 316 km, ça, ou mon hyperdrive stabiliseur, mais on va s'arrêter là, je pense, on fera l'autre. On va aller au premier camp, voilà, dis donc, il est à 130 km le premier camp. On va s'arrêter, je pense, ici. Bon, allez, on va le faire, on n'est pas comme ça. Allez, investi. Non, non, Radio Weapons, on va se friter un peu. Bien qu'on voit commence à faire salement la tête, hein. Alors, lequel que j'aime pas? Et toi déjà là-bas. Pas trop la tête que t'as. Ah, il bastonne, le cochon. Allumez-le, il est quasiment mort. Finissez-le. Toi, tu tires pas sur mon convoi. Voilà. Ok, alors, neutralise ton bouclier. Voilà, on peut une petite mine. Voilà. Pour faire bonne mesure. Deux véhicules de détruit, vous vous tirez là-dessus. Toi tu continues d'allumer ça et vous allumez celui-là maintenant. Ah, voilà.
fois, il envoie du lourd lui là, juste à côté là. Va sur autre chose mon gars. Cure pas aussi, ça tu peux le faire. Voilà, lui il est réglé. Suivant sur la liste. Voilà, voilà qui est fait. Light Rocket Artillery, dis donc j'ai ramassé 3 places. Eh ben. Peut-être temps que j'aille à un campement. Peut-être, hein. Mais il est tentant celui-là aussi, hein. Go. Attaque Zem, embûche Zem, on va leur retourner leur propre embuscade contre eux. Ils sont même pas endommagés. Alors on a un porteur de mine, je vois aucun gars avec une roquette. C'est donc une très bonne chose, on va donc détruire le véhicule le plus lourd. Classique, hein. Classique, ça, lui. Non, en fait, toi tu vas me l'allumer. Toi tu vas essayer de toucher lui. Ah bah on en avait oublié, hein. Ils ont encore deux véhicules derrière et ça a l'air de rien, mais là ça commence à faire vraiment de très gros assauts. Hein. C'est ça. Hein. Il fait encore juste devant l'autre. Paralyse-moi celui-là parce que je veux pas qu'il touche du tout mon convoi là. Il a pris assez mon convoi. Ça il est réglé. Hop. Le suivant il est réglé aussi. Un chainsaw. Ouais, 58 parts c'est 14 d'essence. Ouais, on a beaucoup de bazar. Un light MG, on va abandonner le light MG. Ça vaut pas grand chose, c'est une des armes de base. Bon, faut qu'on arrive vivant jusqu'au prochain camp. C'est ça, ouais, jusqu'au prochain camp. En passant par les montagnes, risque d'être. Ok, j'ai trouvé un MK3. J'ai trouvé deux super armes. Abandonne ça, confirme. Ah, dis donc, ça c'était. Je m'y connais pas. Hein. Juste essayer d'aller à ce camp. Faut encore traverser des montagnes. Oh là 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 là. Il y a juste là, allez. Pas d'embrouille jusqu'au bout. Yes. Pas d'embrouille. On s'en sort pas mal. On s'en sort pas mal. Bon bah je vais faire les réparations en off. Oh quoique non, je vais vous faire. Attendez, parce que j'améliore aussi lui normalement. C'est ça. Hop. Ton dernier lance-mine sur toi. Ça c'est fait. Confirme. Oui, bah, en fait c'est automatiquement confirmé. Toi à la place de ton Eevee Beam. C'est un Eevee Beam que t'as. Un Eevee Rocket. Et quelqu'un qui a du Rocket de base là. Ah t'as du Medium Rocket, tu vas passer au Eevee Laser. Voilà. Eevee Plasma Cannon, je veux dire. Toi qu'est-ce que t'as? Laser et un Eevee Plasma Cannon normal. J'en ai qu'un seul qui supporte du jaune à première vue. Toi tu tournes avec tes machins au laser. Peut-être du Eevee, peut-être du lourd aussi, hein, donc y a pas de raison de. Le médium il saute, ça saute. Le MK3 on va le garder pour le principe toujours. On va tout réparer. Bien sûr, parce que là ça fait carrément la grosse tête. Hein. Hop. Bon, c'est juste en avoir un peu besoin. Il y en avait un qui allait quand même très bien dans l'eau et au niveau du shop, tu peux rien me proposer, bien entendu, d'intéressant. Attendez que j'ai plus que du balèze. J'ai plus que du balèze, donc on va le livrer.
on va quitter ce camp. On va sélectionner donc Purging the Plague. Oh, ça fait penser à Plague Inc. Donc on va purger ça au prochain épisode. Mais je vous dis, c'est donc c'était Knarfang sur Comme d'habitude Gaming avec Convoi. C'était l'épisode 4. Décidément un super jeu et décidément un jeu dans lequel je ne veux pas mourir, il faut croire. Moi qui ai eu tant de parties de poisse parce que j'ai dû faire quand même 3 parties avant de décider de vous en tourner, une histoire de voir un peu comment tourner le jeu. Et bah c'était la bonne. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine. En attendant, abonnez-vous, mettez un pouce vert, ce sera sympa. Et puis ciao.